Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à notre chaîne. Tout juste 19h, voici les titres de l'actualité. La République du Sénégal ouvre son consulat général à Dakar, 10e représentation diplomatique inaugurée dans cette ville depuis un peu plus d'un an. La cérémonie d'inauguration a été présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidents à l'étranger et la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Direction et confirmation de la circulation du variant britannique dans cette région du Royaume. Le dispositif de veille génomique du SARS-CoV-2 a été mis en place par le ministère de la Santé. En fin de journal, nous rendrons hommage à l'icône de la chanson populaire Hajj al-Hamdaouia. Elle était un des monuments de l'art de l'Aïta au Maroc. Hajj al-Hamdaouia s'est éteinte ce matin dans un hôpital arabe à l'âge de 88 d'une longue maladie. Bonsoir, une icône de l'art de l'Aïta au Maroc est décédée aujourd'hui des suites d'une longue maladie. Hajj al-Hamdaouia est décédé à l'âge de 91 ans. Cette douloureuse circonstance, Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de l'artiste Feu Hajj al-Hamdaouia. Dans son message, le souverain exprime aux membres de la famille de la défunte et à travers eux à ses proches et ses fans, ainsi qu'à la famille artistique nationale, ses vives condoléances et sa sincère compassion suite à la disparition de l'icône de l'art de la Aïta marocaine qui a consacré sa vie au service de ce genre musical populaire ancestral qu'elle a consolidé au fil des décennies en tant que composante du patrimoine culturel national grâce à son excellente performance, réussissant ainsi à charmer des générations d'amoureux de cet art marocain authentique et à hisser celui-ci au niveau national et international. Affirmant partager les sentiments de la famille suite à cette perte douloureuse qui a affligé la scène artistique nationale dans son ensemble, le souverain dit se remémorer avec considération les sentiments sincères d'amour et de loyauté que la défunte vouée au glorieux trône alaouite, outre son patriotisme fervent, à travers l'emploi de l'art de la Aïta dans son jeune âge comme moyen de résistance au colonialisme, incarnant ainsi son attachement aux constantes de la nation. Forte dynamique diplomatique à Dakhla avec l'inauguration d'une nouvelle représentation diplomatique, la 10e depuis le début de l'année dernière. La République du Sénégal ouvre à son tour son consulat général dans la Perle du Sud. La cérémonie d'inauguration a été présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidents à l'étranger, Nasser Bourita, et la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Aïssa Latal Sall, Mohamed Idès, Bakar Dlimi, Imad Amsmir et Mariam El-Missi. Le drapeau de la République du Sénégal flotte fièrement dans le ciel de Dakhla. Le bâtiment fait désormais office d'un consulat général, le 10e ouvert en une année dans la Perle du Sud. Ce consulat, c'est un double symbole. C'est d'abord le symbole de ces magnifiques relations séculaires qui lient nos deux pays et leurs deux peuples respectifs. Mais également, c'est le symbole d'un besoin que nous avons ressenti, d'un besoin pour les générations là, présentes, qui sentent qu'elles ont besoin que leur État soit de plus en plus proche et à proximité de leurs préoccupations. Cette antenne consulaire s'investit désormais de ses missions et ouvre ses portes à la grande diplomatie de coopération sud-sud. Depuis le Sahara marocain, comme l'Aïoun, Dakhla est au cœur d'une présence en force de missions consulaires de divers pays. Sénégal, Gambie, Guinée, Djibouti, Libéria, Burkina Faso, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, République démocratique du Congo, Haïti et autant de témoignages de la nouvelle dynamique que connaît le dossier du Sahara marocain. D'abord, cette ouverture confirme la marocanité du Sahara. Témoigne une fois de plus de la position constante de soutien ferme du Sénégal frère à l'intégrité territoriale du royaume. Ce consulat opérera sur le terrain de la coopération territoriale et décentralisée tournée vers l'Afrique, qui est en plein développement dans les provinces du sud du royaume.
Le nouveau poste diplomatique sénégalais porte à 10 le nombre de consulats africains inaugurés dans la ville de Dakhla, cette partie du royaume érigée en pôle consulaire. Une énième reconnaissance à la pleine et entière souveraineté du royaume sur son Sahara. Juste après ce grand événement diplomatique, le Maroc et le Sénégal ont signé, toujours à Dakhla, deux accords de coopération et un mémorandum d'entente destiné à promouvoir leur partenariat dans les domaines de la décentralisation, des technologies de l'information et de la communication et de l'aviation civile. Ces accords ont été paraphés par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nassar Bourita, et la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Aissata Tall Sall. Notre page quotidienne à présent sur les données chiffrées relatives à la pandémie du Covid-19. L'opération de vaccination pour commencer, 4 352 033 personnes ont reçu la première dose du vaccin et 3 951 023 personnes au total ont reçu les deux doses du vaccin anti-Covid. Pour ce qui est des données épidémiologiques de ces dernières 24 heures, 132 nouvelles infections ont été confirmées pour 241 rémissions. Au moment où l'on déplore 7 nouveaux décès, le nombre des cas actifs repasse au-dessus de la barre des 4000 et s'élève désormais à 4310, dont 452 patients en état grave ou critique, et donc une courbe épidémiologique qui repart à la hausse malheureusement. Détection et confirmation de la circulation du variant britannique dans cette région du royaume. Le dispositif de veille génomique du SARS-CoV-2, le Covid-19 mis en place par le ministère de la Santé, annonce l'identification de dizaines de cas à travers le Maroc. Mohamed Eklishka. C'est en septembre dernier qu'est apparue en Europe la nouvelle souche du SARS-CoV-2 appelée variant britannique. Et très rapidement, ce variant s'est disséminé à travers 130 pays, dont le Maroc. Trois autres variants ont également fait leur apparition ces quatre derniers mois. Un variant sud-africain, un autre brésilien, un troisième japonais, et il s'agit de variants inquiétants. Et pour cause. Ils ont une caractéristique de dissémination beaucoup plus élevée, de 30% à 70%, et ils ont une virulence beaucoup plus accrue et qui touche les enfants en particulier. Ces nouveaux variants du SARS-CoV-2 font l'objet d'une veille génomique sur le territoire national. Résultat ? On a à peu près 429 cas qui sont disséminés à travers cette région Maroc et notamment dans la région de Ouarzazate. Un constat qui interpelle tout un chacun. Le variant britannique circule dangereusement au Maroc et les mesures barrières demeurent d'incontournables remparts en attendant la vaccination de 80% de la population. Je dirais que les mesures préconisées et les mesures préventives sont extrêmement importantes en ce moment-là en attendant une vaccination massive. La situation épidémiologique au Maroc n'est certes pas inquiétante depuis quelques semaines déjà, mais le danger se profile à l'horizon et le nombre des nouvelles infections ne cesse d'augmenter de jour en jour. À l'approche du mois de Ramadan 1442, sachez que pour pouvoir accomplir le rite de la Umrah, l'Arabie Saoudite exige pour l'obtention de l'autorisation d'accomplir la Umrah que les personnes soient vaccinées ou immunisées contre la Covid-19. C'est ce qu'annonce aujourd'hui le ministère saoudien du Hajj. Un petit mot d'économie à présent. L'activité économique se serait redressée de 0,7% au premier trimestre de cette année, après quatre trimestres de baisse successive selon le Haut Commissariat au plan. Cette évolution serait attribuable à l'accroissement de 13,7% de la valeur ajoutée agricole dans un contexte d'une baisse de 1% de la valeur ajoutée non agricole. Cette évolution aurait été portée par la bonne tenue de l'activité des industries agroalimentaires et chimiques, tandis que les industries de textile et des métallurgiques, mécaniques et électromécaniques auraient continué de pâtir du ralentissement de la demande extérieure.
dans la branche de la construction, la valeur ajoutée aurait conservé son évolution modérée, pâtissant du repli de l'activité des travaux de construction spécialisés et du génie civil. Casablanca accueille la deuxième édition du sommet de l'Africanité, sous le thème Made in Africa, parole aux femmes d'Afrique. Tenu sous le patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, ce sommet se veut un porte-parole de la femme et de la jeunesse africaine. L'événement est marqué par la remise du trophée de l'Africanité au premier directeur africain de l'UNESCO, le professeur Amadou Mahtar Mbo, aujourd'hui âgé de 100 ans. Mounia Marouche, Nisrine Ouzdar. Promouvoir la création d'entreprises en Afrique, voilà ce qui caractérise les travaux de ces deuxième éditions du sommet de l'Africanité. Un sommet qui donne surtout parole aux femmes. Il donne également la parole aux jeunes Africains pour qu'ils soient partie prenante du grand chantier de développement de leur continent. Pour leur donner justement la possibilité d'échanger leur savoir, leur expérience, leur expertise autour des problématiques du développement et voir ensemble comment justement asseoir le rôle de la femme africaine en tant qu'actrice de premier plan du développement inclusif et durable du continent. Et c'est parti pour 3 jours de débat. Objectif, encadrer les meilleurs entrepreneurs et les aider à trouver un financement pour concrétiser leurs projets. Les femmes doivent être des leaders et tout, prendre en marche pour l'Afrique indépendante et tout. La relance de l'Afrique nécessite la présence des femmes et tout. C'est pas juste aux hommes de prendre ça. Il faut aussi donner l'opportunité aux femmes. En marge de ces travaux, cette deuxième édition est marquée par un vibrant hommage rendu au premier directeur de l'UNESCO, le Sénégalais Amadou Mahtar Mbo, en reconnaissance de son parcours exceptionnel, historique et fort exemplaire. Icône de la chanson populaire marocaine, elle a marqué de son empreinte le répertoire musical populaire pendant des décennies. Hajj El Hamdaouia s'est éteinte ce matin dans un hôpital à Rabat, à l'âge de 91 ans, des suites d'une longue maladie. Ses chansons cultes comme Dabeiji, Jiti Majiti, Mama Hiani ont inspiré plusieurs générations d'artistes marocains. Youssef Mziani, Oumaymar. Cette voix qui a fait vibrer nos oreilles au rythme du bendir n'est plus. L'Hajj El Hamdaouia, diva de l'Aïta marocaine. Sa carrière s'étire sur plus d'un demi-siècle. Celle qui s'était lancée adolescente dans cette vaste mer qu'est l'Aïta. Subtil mélange entre l'Aïta et Chabi lui ouvre les portes d'un parcours exceptionnel. Native de Darb Sultan, elle s'éclipse laissant derrière elle une vie engagée et un legs monumental. Aujourd'hui, proches et publics pleurent le départ d'une icône décédée des suites d'une longue maladie. Je suis resté à ses côtés pendant tout ce temps. Elle a beaucoup souffert de la maladie. Est venu pour elle le temps de se reposer. J'ai longtemps collaboré avec elle. C'est une dame avec un cœur en or. Elle nous manquera énormément. Rebelle et coriace, son art, elle le met à contribution de la cause nationale. Sous son caftan, l'Hajj El Hamdaouia cachait bien ses armes, une voix qui porte, des paroles qui se gravent dans la mémoire, le tout couronné par un prestigieux Wissam Alaouit accordé en 2013 par Sa Majesté le Roi. Bien que souffrant d'une maladie,
Hajj Hamdawiya faisait en sorte de rester présente sur la scène artistique. Elle a honoré l'art populaire marocain. C'est une fierté de l'avoir connue. 2018 à Souera. D'une voix déterminée et une démarche féline, Hajj Hamdawiya signe son dernier concert aux côtés de Raymond Dalbedaouia. Ce jour-là, et du haut de ses 88 ans, elle démontre encore une fois, une dernière, que sous ce petit gabarit, une grande star. Et comme ses tant aimées fleurs, Hajj Hamdawiya se fane à jamais ce 5 avril. Une grande artiste qui nous quitte. Nous sommes à Dieu et à Dieu nous retournons. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain 19h.